Salut. On va à Gare de l'Est, là où le soleil se lève. Quand on est juste dans la valeur des choses, c'est très vite ennuyeux parce que finalement ça manque de relief. Ce qui est beau dans la vie, c'est d'essayer d'outrepasser le réel, d'aller plus loin que ce que sont les choses. Et ça, c'est le propre de l'art. Et moi, mon Dieu, il a pris la forme de l'art, depuis toujours, depuis que je suis petit. Un seul amour, une seule vie, seule et unique, comme un ultime espoir, un absolu. J'ai été longtemps fasciné par le fait que la première chose que les gens disaient quand ils sortent d'un concert, c'est « est-ce qu'il y avait du monde ?». C'est comme quoi le fait qu'il y ait du monde dans l'église, entre guillemets, c'est ce qui compte le plus pour les gens. Donc comme quoi, chanter, ça a un côté cérémonial, je ne sais pas comment dire, eucharistique. Voilà, partager quelque chose ensemble. Ce qui me fait avancer intérieurement, c'est le fait toujours de me dire que je n'ai pas répondu à toutes mes questions. C'est le fait de rester curieux, ouvert. Chaque fois que je suis confronté à des évidences, assez vite je m'ennuie, quoi. Ce qui est bien, c'est justement d'accepter ces émotions, ces sentiments. C'est ça qui nous fait grandir, c'est de rester... interroger, de se dire que demain sera peut-être encore mieux qu'aujourd'hui. N'y a-t-il vraiment qu'un seul Dieu à l'Olympe des cieux? Une seule manière, une seule lumière qui nous éclaire.